Dans le cadre de nos cours d'audiovisuel, on a appris que l'utilisation de la lumière dans des tournages était très importante, notamment pour éclairer le sujet de différents angles, mais aussi pour éclairer l'arrière-plan. Donc, pour éclairer l'arrière-plan, on peut mettre soit simplement une lumière qui va l'éclairer, ou alors on peut utiliser un Q-coloriste. Donc, c'est un instrument en bois, souvent c'est une plaque de bois découpée, qui va permettre de pouvoir créer des formes sur l'arrière-plan, qui va permettre de dynamiser, rendre un peu plus esthétique l'image, et aussi donc d'adoucir un peu la lumière aussi qui va aller sur l'arrière-plan. On devait faire une interview et en fond on voulait mettre un effet store. Et vu qu'on n'en avait pas, à ce moment-là, on a directement pensé à la machine de découpe laser qu'on a au Fab Lab, et donc on allait voir Alexis. En deux coups de cuillère à peau, c'est fait, quoi. Il y en a pour 10 minutes à dessiner l'objet, et je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus à le découper, et c'est fini. Sachant qu'on peut choisir les matériaux, plus ou moins rigides, la découpe est super précise. Alors là, c'était des rayures, mais ça aurait très bien pu être un arbre de Noël ou des étoiles pour faire un fond étoilé, des palmiers pour faire genre. Et en même pas 30 minutes, 3 quarts d'heure, tout a été découpé et on l'avait entre nos mains. Et on a pu continuer le cours et à la fin, le rendu a été excellent et on a pu faire vraiment ce qu'on voulait. Et ça peut servir à tellement de trucs, que ce soit des petites animations pédagogiques, que ce soit de la communication interne, que ce soit de la déco, que ce soit des pièces technologiques pour les projets autour de l'Internet des objets. C'est infini, super simple, pratique, indispensable.